Aujourd'hui, on teste le setup de l'un des meilleurs joueurs du monde. Ça, c'est mon ancien setup. Il est temps de changer tout ça. Toi, ce tapis de souris là, je l'aimais bien. Regardez le chat là. Il ressemble pas à Mystery un peu? Non? Bon, ok. Le clavier Rocat Vulcan DKL Pro, 130€. La souris Cone Pro Air, 130€. Le casque Rocat Hello Air, 100€. Et enfin, le tapis de souris Rocat, 30€. Le setup de Mr. Savage, en tout, coûte 400€. C'est le duo de Benji Fishy. Il a fini top 1 de la DreamHack Anaheim. Il était qualifié pour un World Cup en solo et en duo. Il est dans l'une des plus grosses structures e-sport. 100 Thieves, top 2 des FNCS, top 2 des grandes finales FNCS, 70 000$. Il a fait top 1 en Cash Cup. Bref, vous l'avez compris, Mr. Savage, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Et on va aujourd'hui tester son setup. Clavier, souris, casque, et bien sûr le tapis de souris. C'est quoi mon métier moi déjà? Ah oui aussi, j'allais oublier, le code UMS. Vamonos. Première étape les gars, on va tester en créatif, on va tester en solo build. Ok, déjà pour moi j'ai pas de soucis à faire les solo builds que je faisais à l'époque avec mon autre setup. Ça c'est plutôt bon signe. Ok, on va tester les edit cones. Ok. Le clavier est archi rapide, je ressens aucune différence avec l'Apex Pro. Ça c'est un très bon point parce qu'en plus le clavier de Mr. Savage il coûte 100€ de moins que l'Apex Pro. Ok, ok pour le moment les gars, pour le moment je valide en balle. Maintenant on va passer au test du BF, voir si ça vaut le coup. Hello, which weapons? Good luck. Ok, ça part. Oula, oulala, oulala, ok, 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 pour le moment ça va. Ma YM est plutôt bonne. J'ai juste loupé une balle. Ok. Peace control, ok. Je mets des bonnes balles avec cette souris là. C'est le dernier BF les gars, ensuite on va faire une vraie game. Ok, avec ce setup là en fait la pioche elle est vachement forte, moi j'aime bien. Maintenant on passe au vrai test. El realidado testo de la mañana. Rocky Reels, tu connais, ça bouge pas gros, jamais. Après je me posais une question, est-ce que vous pensez que Mr. Savage il joue avec du matériel Rocat parce qu'il aime les produits ou bien il les utilise parce qu'il est uniquement en partenariat avec? Je sais pas, c'est une question que je me pose, ça se trouve, tu sais, il utilise ça juste parce qu'il est en partenariat avec, alors que derrière tu vois il joue avec du Logitech ou quoi tu vois. Moi je sais pas en vrai, je me demande hein. Allez edit. Hop là. Et je disais c'est archi possible hein. Et je dis pas ça parce que je l'ai déjà fait. Ok. Peace control aid. Peace control aid into double whap. Là les mecs je lui ai fait le triple dash en fait. Les mecs si vous avez pas la ref je vous conseille d'aller regarder la dernière vidéo qui est sortie. Vraiment. Les mecs je crois la souris elle bug hein. Je crois que je vais faire plus de dégâts avec ce pompe là que... Hop là. Qu'est-ce que je disais? Hop là. Hamed Habibi. Mais pour le moment, je vais pas vous mentir que je me sens super à l'aise. Alors que ça fait déjà pas longtemps que je joue avec, je me sens archi à l'aise. Le matériel est super super confortable. Le clavier, je l'avais déjà testé il y a longtemps. Mais la souris, le tapis de souris et le casque, j'ai jamais testé, c'était la première fois. Et pour le moment, j'aime bien. Après, il me faut un peu plus de temps pour savoir si je vais l'utiliser pour la vie. Mais pour le moment, je suis pas déçu. Le fait de voir cette voiture là, ça m'a fait penser à la vidéo d'Unchained dans laquelle je suis passé. Si vous l'avez pas vu, les gars, elle est trop bien la vidéo. C'est en gros, le dernier qui meurt, il perd. En gros, celui qui fait top 1, il a perdu. Je vous conseille de regarder la vidéo. Okay. Hop là. Pour le moment je touche pas mal de mes balles hein. Que ce soit l'AIM au corps à corps avec la PM, que ce soit l'AIM au pompe. Alors qu'en plus ce pompe là vous savez très bien comment c'est chaud de toucher avec. Après tu sens quand tu vas aimer une souris ou pas, tu vois, dès le premier toucher. Et je sens que dès le premier toucher cette souris là, je suis à l'aise. J'ai l'impression qu'elle est faite pour moi. J'ai l'impression qu'elle est parfaite pour maman. Elle rentre parfaite dans ma main, je sais pas comment dire en fait. Ok Grizzly Grou, dites moi s'il y a quelqu'un. Y'a pas un petit The Kairi qui se cache là? Oh, t'es dans le bush toi? Oh l'enfoiré. Il se cache dans le bush. Oh le petit enfoiré. Il s'arrête pas en plus hein. Oh non ici. Il a Spider-Man, j'ai même pas vu. Oh mais là je vais plus jamais le retrouver là. Ah faut croire que si. Ah en plus il y a un autre mec qui se rajoute à la bagarre, ok. Hop là, bah, on récupère tout les gars, on récupère tout hein. Je prends ce pompe là violet quand même, on va pas abuser, je vais prendre le pompe violet. Bon, il y a eu un petit problème au niveau de la N-cam les gars. Ils sont passés où là? Oh les cocos qui se battaient là. Ok là-bas j'ai entendu, c'est bon. Là-bas. Oh, ok.
Ok, excusez-moi de vous avoir dérangé. Oh là 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 là, les gars. Oh, je me suis mis dans un merdier là. Est-ce que je me suis mis dans un merdier ou pas? Oh putain, oui, 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 je suis dans un merdier, oui, oui. Oh que oui, putain de merde. Un vrai merdier là. Oh que oui. On va essayer de sortir de ce merdier. Ok, c'est bien, c'est bien, ça c'est bien. On va les récupérer, les gars. Un vrai rat. Oh, je vais pas te mentir, il y a la zone. Ok, okay, je l'ai crack. Dommage, je l'ai pas touché. Ok, il est en face là. On est plus 4, les gars. Tu vas où, toi? Tu vas où, toi? Oh putain de merde, le karma. Oh, le karma, je me suis pris. Oh, il est mort, il est mort. Oh putain de merde. C'est quoi cette sauce? Ok, ok. Mais vas-y! Mais vas-y, headshot online! Non, headshot online, non, je suis pas d'accord. Hein? Non, mais sérieux, non, mais attends. Il a 17 munitions de roquette encore! Ah, il va jouer Colosse Roquette, l'enfoiré, hein. Il a lance patate PM mythique. Ah, il joue qu'à ça, en fait. Il a raison, hein. Il a clairement raison, j'aurais fait la même. Ah, il l'utilise bien en plus, hein. Il l'utilise bien, il l'utilise bien. Et voilà, la strat, dealer. Dealer, headshot online, la strat. Ça, c'est un beau top 1, ça. C'est un beau top 1. Avec un maximum de stratégie. Bien joué. On fait un dernier réalistique contre un inconnu et je fais ma conclusion par rapport au setup. Hello, can you hear me? Can you hear me or no? Bon. Ok. Est-ce que tu vas l'aider de ce cône? Non? Ok, du coup je passe sur le côté. Oh putain. Là je tape l'edit. Ok, ok, ok. Donc t'applaudis comme ça. You're applauding, anonyme 257. Ok, ok. Ok, là je donne tous les mecs, je le détruis. Je perds pas un seul PV, ok. Là je me fais pas toucher une seule fois, les gars. C'est le. Là le défi, les gars, c'est de pas se faire toucher une seule fois. Pas de perdre un seul PV. Ok. Ok. Heureusement que j'ai dit de pas perdre un seul PV. Donc là on reprend quoi dans double wap. Ok. Ok, là on l'a bien eu, là on l'a bien eu, là on l'a bien eu. Là aussi on l'a bien eu. On passe de l'autre côté, on lui fait croire qu'on est là, au final on est là. Et là on lui fait croire qu'on est là. Non, putain, la balle a pas touché, non. Voilà. Ah là. Je peux pas applaudir, mais je te mets un petit sticker, hop. Ok, now, I'm giving you the last chance. If you kill me, I give you 2000 V-Bucks, ok. Jump if you agree, jump. Jump if you agree. Ok, stop, 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 stop. Stop building, stop. Jump if you agree, jump. Eh, hey, don't try this with me, ok, ok. Ok, ok, I see what you're doing, I see. I can't even build, but I'm killing you. Hop, là, I'm going in triple whap. Ah, you don't know the triple whap, hein. You don't know the triple whap. Aïe aïe aïe. I'm gonna teach you the triple whap. Into double dash, double whap. Jump, jump. Let's go. Ok. I double con here. Into double whap, you know. Now you edit, I hit you. And now I get the fucking pickaxe in my hand. No. Have a nice day, man. Goodbye. Bon, après avoir testé celui de Mongral, après avoir testé celui de Benji Fishy, c'est la première fois, les mecs, que je vais vous dire. Je vais garder ce setup-là pendant une semaine et je vais voir si je le kiffe vraiment ou pas. Parce que là, j'ai un hyper bon ressenti avec le clavier, la souris et le tapis de souris. Il y a moyen que je teste ça pendant une semaine ou deux et que je vois si ça me correspond ou pas. Et pour en revenir au fait, le prix du matériel, les gars, je trouve que c'est vraiment, mais vraiment honnête. De toute façon, les gars, je vous tiens au courant en live Twitch. Voilà. Si vous voyez qu'en live Twitch, j'utilise toujours ce matériel, ça veut dire que j'ai kiffé. Moi, les gars, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. C'était UMS. Bisous.